J'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Je m'éclabousse, j'en ris. Mon poisson bouge dans mon bain de mousse. Je l'en m'étouffe, je lui dis. J'ai pas de problème, je fais néant. Pas de malaise, je fais néant. Dans l'eau je baigne, c'est l'important. Bien à mon aise, dans l'air du temps. J'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Je bulle à l'ombre des bons. Merci Alizée. Venez vous asseoir. Alizée, encore merci d'être là ce soir pour les enfants. On se souvient bien sûr de votre premier succès, Moi Lolita, un succès mondial. Vous avez vendu 2,5 millions de singles avec Lolita à travers le monde. C'est vraiment rare ici. Je vous propose de... Allez, on va regarder un petit montage. Il y a des fans aussi d'Alizée, c'est normal, ils sont là. On va regarder un petit montage de tous vos passages dans les télévisions du monde entier. Et vous allez voir, c'est assez amusant. On va voir comment chaque présentateur annonçait Alizée avec l'accent. Regardez. C'est la Benjamine de la chanson française. Mais maintenant, avec sa nouvelle disque. Moi, Lolita. Moi, Lolita. Moi,
Lolita. Hier ist Alizé. Alizé. Hier bei uns Alizé. 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 Bonjour, magnifique mademoiselle. Alizé. Moi, je m'appelle Lolita. Ou bien Lola, du pareil au même. Moi, je m'appelle Lolita. Je rêve le. Revoir Alizé avec, avec l'accent. Le cadeau que vous êtes venu offrir ce soir aux téléspectateurs, Alizé, symbolise justement cet immense succès. Il était, jusqu'à ce soir, accroché dans votre chambre. Voilà, oui. Mais de quoi s'agit-il ? Mon premier double disque de diamant. Il est là, oui. Ici, imaginez, double disque de diamant pour moi, Lolita. Il était... accroché jusqu'à ce soir dans la chambre, vous imaginez, dans la chambre d'Alizé. Et ce soir, il sera à vous si vous nous appelez au 08 97 66 00 33 et que vous tapez 5 sur votre clavier de téléphone. Alizé, pourquoi est-ce que vous avez souhaité être présente ce soir ? Parce que pour soutenir les enfants et toutes les autres personnes qui sont atteintes de la leucémie. Et puis on m'a dit que... à partir de 18 ans, on pouvait donner ses plaquettes. Et comme moi, j'ai eu 18 ans au mois d'août, donc je peux maintenant donner mes plaquettes. Vous allez le faire ? Oui. Et avant de faire l'émission, j'ai été sur le site de Laurette Fugain. Et donc, je me suis documentée. Et c'est comme ça que j'ai appris que maintenant, moi aussi, je pouvais donner les plaquettes. Et j'invite les personnes à aller sur le site. Eh bien, voilà, il faut faire... comme Alizé, c'est important, hein, Stéphanie, de bien sensibiliser les jeunes à ce combat que vous menez. Mais je crois qu'il faut tout recommencer, en fait, parce que les jeunes ne sont pas du tout au courant, même pour le don de sang. Le don de sang, c'est indispensable aussi quand on est jeune. Et c'est vous qui devez passer le flambeau. C'est vous qui devez dire maintenant, plus jamais, on ne saura pas qu'il faut aller donner ses plaquettes et son sang. Ben oui, en fait, avant, plusieurs fois, lorsque j'étais au lycée, il y a des camions qui venaient pour le don de sang, mais moi, je ne pouvais pas parce que j'étais encore mineure. Donc maintenant que je peux le faire, je le ferai et... Ouais. Eh bien, je suis sûre que tous les enfants qui sont malades de la leucémie et qui nous regardent ce soir vont être particulièrement touchés par le fait que vous ayez décidé, vous, Alizé, de donner vos plaquettes. Je vous rappelle donc que vous tapez le 5 si vous... dans quel temps ? Et également du cas de Mickey, de Walt Disney, ce superbe dessin original, vont s'inscrire dans quelques instants sur vos écrans. Bravo à tous ceux qui nous ont appelés. Merci encore et continuez. Alizé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a été vraiment très très honorés de vous retrouver après tout ce temps passé sans nous. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de signer la toile en partant. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi Michel de nous avoir offert votre vélo. Je pense qu'il il sera d'entre de dignes jambes. Ne partez pas sans Olga. Merci Claude. Non, de Claude, il reste là. Merci beaucoup, Alizé. Nous allons accueillir tout de suite notre prochain invité. Jean-Luc, restez, hein. C'est pas fini, Jean-Luc. Hein. Nous allons accueillir notre prochain invité. C'est une star. Et nous sommes ravis de l'accueillir à double titre. D'abord parce que c'est un des sportifs les plus performants de sa génération. C'est aujourd'hui un chanteur qui vend des millions d'albums. Je vous demande de faire un triomphe à Yannick Noah.